Je m'appelle Johanna Müller-Herrmann. Je suis née à Vienne en 1868. Depuis toute petite, j'ai appris la musique, mais surtout pas pour en faire mon métier. Mon père souhaitait que je devienne institutrice. Ce n'est qu'après mon mariage avec Otto Karl Müller-Martini, à l'âge de 25 ans, que j'ai pu me consacrer à ma passion. J'ai étudié le piano, le violon, la théorie musicale et surtout la composition avec Alexander von Zemlinsky. Ses conseils m'ont beaucoup aidé pour la composition de mon Quatuor Opus 6, qui est créé en 1911. Mais je compose aussi d'autres pièces de musique de chambre, de nombreux leaders et des pièces pour orchestre. Mes œuvres sont même jouées au Musikverein de Vienne. Lorsque l'un de mes anciens professeurs, Josef Forster, quitte son poste au nouveau conservatoire de Vienne en 1918, c'est moi qui suis choisie pour le remplacer. J'y enseigne la théorie musicale jusqu'aux années 1930. Malheureusement, les nazis fermeront le conservatoire à leur arrivée au pouvoir en Autriche et ce sera la fin de ma carrière de pédagogue.